الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il donne nous sincérité, donne nous paroles, donne nous actions. Nous demandons à Allah ta'ala dua qu'il accorde nous la connaissance qui est profitable. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, la droiture, istiqama, la fermeté, le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il donne nous la patience face à ma difficulté. La patience pour l'eau sur ibada, l'eau sur l'obéissance. La patience pour acquérir la connaissance de Dine. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous finissons arrive 21e hadith de Imam al-Nawawi sur Arba'oun. Et Inch'Allah, toujours, nous lire hadith et nous expliquer. Un petit hadith pour aujourd'hui et signification grand, comme toujours. Hadith an Sufyan bin Abdillah radiyallahu an. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ليجيا مفنجيا أو مساجد d'Allah dis-moi une parole de l'islam qui ne pas pour demander autre que toi après toi ne pas pour demander un autre apporte toi ne pas besoin de demander un autre conseil apporte toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit قال قل آمنت بالله ثم استقيم. قال le prophète fin dit قل dit آمنت بالله mo fin amen iman de Allah ثم استقيم ensuite tenez-toi ferme le droit chemin. Hadith rapporté par Imam Muslim. Alors premièrement nous avons un sahabi Sufyan bin Abdullah. Alors, étrangement, je fais une route dans Sierra Alam al-Nubala. Je fais une récigence de Sahabi là, ce nom. Et dans les autres livres de biographie, nous faisons très très peu d'informations sur ce Sahabi là. Et d'après ce qu'il faut lire, je trouve qu'il y a un Sahabi mentionné que Sahabi là, il rapporte un seul hadith. Il rapporte 10 Sahadith là. Basons ça de ce qu'il faut lire. Et comme je viens de dire dans Sierra Alam al-Nubala, je ne fais pas une récigence. Ce sahabi-là, ce biographie. Mais dans les autres livres, il en lit, mais très très peu. Après, un détient information, le sahabi-là, c'est ce nom au complet, c'est Abu Amra. C'est ce qu'on y avait dit, ce nom pour lequel il est connu. Abu Amra, Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Sufyan, ce nom, c'est Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Et les finales habitent dans Madina, ensuite les finales dans Taïf. Les finales restent dans Taïf. Très très peu d'informations, c'est tout, concernant ce sahabi-là. Alors, ce sahabi-là, il peut dire qu'il fait une demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseil, il fait dire, ya Rasulallah, dis-moi une parole dans l'islam qui, pour pas pour besoin, après, demande l'autre du monde encore conseil. Donc, il peut dire, il peut dire, demande une guideline, un moto dans la vie, comment dire, je prends ça comme un jalon, comme une guideline, tout le monde la vie. Une seule façon de parler. C'est sa façon qu'il pose sa question là. Vous pouvez demander toi une parole qui ne va pas besoin de demander un autre apporte toi. Il y a un conseil. Alors, ça, le premier point, c'est qu'il nous trouvait qu'il y a un sahaba, je suis content pour acquérir la connaissance. Je suis content pour venir avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour prendre connaissance avec lui. Maintenant, après qu'il Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient faire wafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in quitte ce sunna. Donc, un démon a envie de la connaissance. Peine doute. Premier la source, c'est le Coran. Dit, puis ce connaissance début de le Coran. Et deuxième la source, naturellement, quand je peux dire deuxième, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se sépare avec le Coran. Parce que le Coran, pour nous comprendre le Coran, nous disons le sunna ensemble. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Allah Ta'ala dit avec ce prophète de Surah An-Nahl. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ et nous faisons descendre le rappel au toi. لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ afin que toi, ô Muhammad, te explique Benjamin, مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ce qui finit être révélé, ce qui finit être descendre aux autres. Veut dire fonction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est explique le Coran. Et nous retrouvons Imam al-Shafiri dans ce livre, Al-Risala, les fins clarifiés
la relation qu'il y a entre Coran et la Sunna. Imam al-Shafiri dit qu'il n'y a pas aucune divergence parmi les savants qui la Sunna lie en trois parties ou bien trois types de Sunna. Il y en a une première catégorie de la Sunna qui les confirme ce qu'il y a dans le Coran. Même ce hadith vous trouvez là. Même signification il y a dans le Coran. Donc, Imam Shafiri dit une première partie de la Sunna lui confirme ce qu'il y a dans le Coran. Par exemple, Coran, ce message central, c'est l'adoration d'Allah. C'est Allah sur l'unicité. Quand nous commençons, il y a qu'un abudu, il y a qu'un astarin. C'est toi qui nous adorais, oh Allah, il y a qu'un astarin. C'est avec toi qui nous cherches. Qui nous chapane la dernière fois de hadith Ibn Abbas, quand le prophète dit, oh garçon, ya Ghulam, inni wa'allimuka kalimat, oh garçon, je peux enseigner toi quelques bonnes paroles. Parmi la dame bonne parole que le prophète il enseigne Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes, demande avec Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Quand tu cherches aide avec Allah. Et c'est ça même qu'Allah dit, iyyaka na'budu. C'est tout seul qui nous adore, oh Allah. C'est le Coran. Wa iyyaka nasta'in, c'est avec toi qui nous cherches aide. Même affaire, veut dire même signification de la Coran, c'est est confirmé par la Sunna, un exemple qui nous vient de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidayni ihsana, soyez bons envers vos parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sous hadith pareillement, fin donne la même enseignement, agir bien avec maman papa. Le prophète le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il répète l'ode wa aqimu as-salat wa atu az-zakat alladhina yuqimuna as-salat. Allah répète sa mot établir namaz dans différentes formes. Il y a fois l'impératif, il y a fois les décrire une croyance ou caractéristique. Donc plusieurs fois ça iqamatu salat apparaît dans le Coran. Sa même signification apparaît dans la Sunna. Donc nous trouvons qu'il y a une convergence entre la Sunna et le Coran parce que tous les deux c'est l'inspiration divine. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما صلى عليه وسلم لي باكوز بو باسيون سي سامبلومون ان انسبيراسيون كي ني دوني وما صلى عليه وسلم كان لي بيكوزي اوسي لي بيكوز بو انسبيراسيون سو مان بارول سي وحي دي بي الله سبحانه وتعالى لا كوزا ني تروف كونفيرجانس ان قران و سنة زامي ان كونتراديكسيون ان قران و لا سنة ا اوكان مومون بي ان كونتراديكسيون ان قران و لا سنة. Peut-être arriver à un moment du monde capable de se regarder par manque de connaissance. Par manque de connaissance, il est capable de trouver une divergence entre le Coran et la Sunna de ce regard. Mais en vérité, si un monde apprend, ou bien il retourne vers le ulama, il cherche la connaissance à profondeur, il peut trouver qu'il jamais, tout le temps, il y a une convergence entre le Coran et la Sunna. Il y a la même qu'arrivé, l'État ne trouve un démon qui manque connaissance, ou bien il pas apprendre la connaissance d'une façon méthodique. Il trouve divergence, contradiction entre Coran et Sunna. Il y a la même qui rentre dans Coran Yun. C'est pas un manque de connaissance. Il dit non, mais la Sunna, et il peut venir contredire Coran, ne pas capable d'accepter la Sunna, alors il rejette la Sunna. Il y a la même qui trouve beaucoup de démon. On peut trouver, il y a beaucoup de sites. Quand vous trouvez, il y a plusieurs sites, vous trouvez, quand, soit le Coran, peu importe, je peux montrer, soi-disant, je peux montrer contradiction entre le Coran et la Sunna. En vérité, c'est faux, et il est trop évident. Et un du monde qui, et ça qui est extraordinaire, un du monde qui apprend, peu importe, faire comment dire, un du monde qui amène le Coran avec un hadith, ça dit monde qui a connaissance là dans sa moment qui ça dit monde là il amène sa le Coran et sa hadith là qui supposément va monter contradiction et dans sa moment là ça dit monde qui et il paye ce qui a connaissance là il pas peut comprendre comment pour réconcilier entre les deux. En vérité ça dit monde là même dans sa moment là il a itminan qui non acheter là moi peut réussir comprendre là mais moi pour rechercher moi pour gagner là ça dit monde là à aucun moment il pas les doutes rentre dans ce l'équerre. C'est un qui est important là ça. Arrive un moment capable d'arriver un démon qui peut trouver une quitteuse qu'il n'est pas peut comprendre. Dans son regard, il peut paraître, mais ces démons-là sont iman enracinés. L'issir, il y a un yakin,
qui Coran que sur que Allah sunna Allah il préserve sa sunna là jamais doute pour un de se l'écrire même au moment qu'il y pas comprend Allah les garde ce itminan de se l'écrire les sûr qui de parole Allah de parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mais la contradiction avec un moment pas tout de suite avec un moment après Allah t'a la couvert pour épanouir sur la poitrine Allah pour dévoiler la connaissance qui pour capable permettre de réconcilier entre ces deux choses là ce qui est important c'est sa yakin sa conviction à aucun moment il y a beaucoup ban choubouhat ban doute qui ban di moun quand il peut lire l'exposé avec internet avec beaucoup ban kitsous il peut trouver une kitsous qui peut venir qu'il pas peut comprendre mais si ça di moun là il a connaissance enracinée il n'est pas pour presser pour les doutes en de se l'écrire il dit non c'est là moi peut comprendre pareil un exemple Ibrahim alayhi salam Allah djeli fait sacrifice tes enfants parce couteau l'eau li kouen enfants bi parce li koul parce couteau l'eau li kouen enfants en di moun li servi rationnel bi en enfants li innocent Allah li riche Allah li tout puissant li pas besoin non ni avec nous mais qui fait Allah besoin la vie en enfants bi sa man question là pas une rentrée dans la tête de Ibrahim alayhi salam qui fait la cause au yakin au Allah Allah djali fait l'intelligence raisonnement les soumet à la révélation l'intelligence raisonnement faculté de raisonnement les soumet à la révélation les pas rentre dans un doute il accepte ce qu'Allah dit et en vérité quand dit mon ni peut étudier Coran et Sunna et c'est ce qui ban savant fin dire et ce qui na ijma lola de la part de ban savant pe na divergence lola tout l'umma d'accord qui la sharia fin vini pour bienfait insan pour maslaha bienfait insan ça en qa'ida en principe établi basant l'eau des milliers de preuves li pa base d'une preuve c'est un principe de base dans din الشريعه جاء لجلب المصلحه ودفع المفسده شريعه انفيني pour repousse du taux de bidimoun et pour amener du bien pour bandimoun et ça quand ça appelle ça istiqra je fais istiqra ban nusus je fais en anglais ou bien français comment je dis ça istiqra veut dire je fais un scrutinize le nom exactement peut gagner en anglais ou français appelle ça istiqra veut dire tatabbu' al-juz'iyat للوصول الى كلي veut dire je trop ban savant je t'explique plusieurs man texte ayat coran des hadith je dresse examiner un derrière le tout un derrière le je fais maximum rodé et coran pour capable li là divan ou sunna li tellement beaucoup il est pas facile pour un savant li récit gagne tout hadith li tellement beaucoup mais coran li là ban savant je fais istiqra je scrutinize je analyse en parent sa man ayat Quran là en parent sa man ahkam la loi là sa man hadith qui n'arrive à je pour dire là je n'arrive à la conclusion sans aucune divergence par ibn savant qui sharia in vini pour djibia ban djimoun et pour repousser le mal de ban djimoun quand un musulman il peut étudier il peut comprendre sa ban kitseuse là il peut comprendre sa ban principe là n'importe qu'il y ait il peut trouver un hadith qui il pas peut trop comprendre lui et il connaît que hadith est authentique, il pas pour rejeter lui ni il pour les doutes de se l'écrire. Il veut dire pour le moment moi peux comprendre lui, pour il a ce moment qu'Allah va là pour la poitrine pour me comprendre sa texte. C'est ça l'attitude là qui vise à adopter. L'état nous pas adopter l'attitude là qui arrivé. L'homme qui nous fait un Coran youd, ben du monde qui j'ai pas fini là, une façon méthodologique pour apprendre la connaissance. L'état je te regarde tout le temps nous peut rejeter sa moula. Contradiction dans regard de l'esprit ça dit mon là dans la réalité peina contradiction entre Coran et hadith ni entre un verset avec un autre verset ni entre un hadith avec un d'ailleurs il y a plusieurs ban savants qui finissent écrire ban livre l'eau fait réconciliation entre ban hadith qui paraît contradictoire. Il y a plusieurs hadiths qui ban savant par exemple Ibn Qutayba li fin écrire livre là selon pas venir en tête là en tout cas ban savant il a plusieurs livres qui fin écrire de sa sujet là qu'on fait réconciliation entre ban hadith donc ça li est important
la cosa ina comment on fin dire ina banjimon fin arrivé quand je peux lire hadith je peux lire je peux juste lire hadith je pas peux refaire je ni je finis une base pour comprendre je pas finis un usul ben principe de base pour que je tisse la connaissance à le qu'arriver en coup de chemin je commence gain ban doute les là qui shaitan ça me qui une parole qui ban ça je dire man dayya al usul harrama al usul man dayya al usul harrama al usul c'est lui qui fait néglige les fondements il va pas atteindre la destination man dayya al usul harrama al usul ceux qui fait néglige les fondements man principe de base dans lesquels il dirige lui il va pas atteindre ce destination il va pas atteindre ce destination donc le besoin là ça va le principe là et ça pour permettre nous arrive à nos destinations de suivre ça va le principe là nous porter à nos destinations donc nous retournons avec parole de Imam Shafiri. Imam Shafiri dit la sunna il y a trois types un premier sunna il confirme ce qu'il y a dans le Coran et tant que nous peut étudier tant que nous peut étudier par exemple là nous étudions ce qu'est hadith 21 mais pas aujourd'hui là oui 21 nous peut trouver quand, si nous pouvons suivre bien là, nous pouvons trouver beaucoup de mots qui prophètes peuvent servir, qui très très ressemblent à le Coran. Nous pouvons trouver ça hadith un exemple clair. Par exemple, ça hadith précédent que nous venons d'apprendre, dernière fois ou bien avant-dernière fois, avant-dernière session, où tu prends trois sessions pour expliquer ça hadith à l'ilong. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Quand tu demandes, demande avec Allah, quand tu cherches aide avec Allah. Mais dans le Coran, il y a qu'un aboudou. C'est toi qui nous adorer quand nous pouvons les autres hadiths ad-du'a mukhul ibada du'a c'est l'essence de ribada beget get ça van wording là comment je te converger iyyaka na'budu c'est toi qui nous adorer là-bas de hadith là qui est mentionné idha sa'alta quand tu demandes be demander du'a c'est ribada et juste après ça iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in c'est avec toi qui nous cherche aide et ici de hadith qui est mentionné إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت جد مولا لغيابة يبقى جس أبريد إذا سألت إذا استعنت كتوشيش إد لبا إياك نعبد وإياك نستعين بجي بان فرازة جو بري إنا داية إنا الحديث كي لبروفت صلى الله عليه وسلم جي مفين جاي القرآن إن كي تسوش كي ريسامبلي القرآن كي باري كما القرآن حديث منشوني سوى فرد أبو داود أوتيت القرآن ومثله معه. مفين جاي القرآن إن كيتسوس كي سيميلي بولو. مفين جاي كيتسوس كي سيميلي أسا القرآن. مفين جاي القرآن إن كيتسوس كي سيميلي. بدي سو سنة. دونك نتروف إمام شافعي لي بيكلاريفي سا تروا تيب دو سنة. إن كاتيغوري سنة كي كونفيرم سي كانان دو القرآن. دوزيام لي دير La sunna lui explique yen bayan bayan de ce qu'il y a dans le Coran. Il y a une explication, un événement dans le Coran. Wa anzalna ilayka dhikra tubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Nous fait révéler le toi, le rappel avec le Coran afin qu'il te explique à bandimoun ce qui finit révélé aux autres. Et troisième, c'est sunna qui apporte ban la loi. La sunna qui amène ben la loi qui n'est pas pour trouver dans le Coran. C'est un troisième type de sunna du hadith, ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple, par exemple, tatouage. Nous payons concernant le tatouage dans le Coran. Dans le Coran, nous payons la loi concernant le tatouage. Mais seulement ben savant, même ça, ben savant, pas chaveri. Il y a ben savant qui dit, mais même ça, ça va la loi qu'il nous trouve dans la sunna, qui peine dans le Coran, en vérité, indirectement, les présents dans le Coran. Par exemple, quand nous causons tatouage, il y a un hadith qui mentionne malédiction à Allah, l'oban qui fait tatouage, ban madame qui épile souci, ban dimoun qui met fente de jeter les dents, longtemps je peux faire ça comme une forme d'embellissement, je te mets des affaires de jeter les dents, avec un moment, jeter les dents, il fait de l'espace. Alors, on mentionne tatouage, épile souci, mettre fond dans les dents. Alors, ça va qu'il se dit, mentionner le hadith qui amène la colère, c'est-à-dire qui fait ça, il y a une malédiction à Allah. Mais en vérité, quand nous guettons littéralement, superficiellement, il n'y a pas trop dans le Coran, ça va qu'il se dit. Mais dans le Coran, à l'aide de l'autre, il mentionne que Shaitan,
Shaitan dit fin dia avec Allah qu'il est pour faire les enfants Adam sans la création d'Allah. Dans le Coran, Allah mentionne quand Iblis il peut discuter avec Allah. Il dit avec Allah qu'il est pour faire ben, du monde sans la création d'Allah. Donc, quand nous trouvons le prophète, peut interdire sa banque qui ça, nous trouvons lié avec le Coran. Donc, c'est ça, troisième partie de la Sunna, c'est ben, la loi qui peut dans n'est pas directement, n'est pas dans le Coran, mais le prophète amène sa ben, la loi là. Ça, il y a même. Il y a un même statut qui c'est qu'Allah fin dit parce qu'il prophète lui transmet depuis Allah subhanahu wa ta'ala pas dire non mais dans le Coran peina mais pas pour obéir à la loi là non dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah même qui fin dit nous obéir lui atui'u Allah wa atui'u Rasul combien fois Allah ta'ala juste après sur l'obéissance il mentionne l'obéissance pas une place dans le Coran obéir à Allah ou obéir ce prophète et veut dire Allah lui mentionne sur l'obéissance, juste après Allah peut nous obéir à Rasoul. Donc, l'obéissance du prophète. Même dans une chose qui ne lit pas le Coran, le prophète dit par exemple, un autre exemple encore, ben, Michel n'a pas le droit de servir l'eau, pas le droit de mettre le bague en eau, pas le droit de mettre le haut en eau. Alors, ça c'est pour ben, Michel, ben, madame a le droit. Mais ça n'est pas tout dans le Coran, ça. Mais nous ne pouvons pas dire bébé dans le Coran, nous ne pouvons pas écouter. Non, ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut transmettre nous ça, la loi là, c'est Allah même qui fait de nous obéir à lui. Donc, ça décide là, Coran et Sunna, l'imos ensemble. Donc, ça c'est concernant Ben Sahaba. Qu'est-ce que ce Sahaba là? Soufiane bin Abdullah Thaqafi, les 24 Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pose question. Ya Rasulallah, diamant qui te dans l'islam, qui ne va pas pour bizarre, diamant un lot apporte toi. Alors, bien souvent aussi, nous trouvons beaucoup Ben Dimoun. Par exemple, dans telle difficulté, fait tel oisif, lire telle quantité sa doua là, telle quantité sa ban adhkar là, lire qui tout sa ban doua qui le prophète dans la sunna authentique, il mentionnait, quand tu as difficulté, lire telle parole, quand tu as difficulté, comme hadith, et na, comme parole du prophète, j'ai fait tel doua, le tel dans ma difficulté, un démon y a un doua, y a un chiffre précis, si pas lire tant fois, 313 fois, lire sa verset là pour sa difficulté là, Qu'est-ce que tu as dit ça? Nous qui tous ces hadiths qui veut dire nous faire tel doa de la difficulté, nous elle prend un doa qui lui peine à se sous à la sunna et avec un nom spécifique. Alors ça c'est man quelque chose qui nous trouve d'immun. Lui pas nous comprend manzila. Lui peut dire qu'il est content de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous pas trouve lui dans la réalité. Lui pas peut donner précédence à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oban les autres l'enseignement. Lui peut dire qu'il est content prophète. Mais seulement la plupart du temps, ce n'est pas parole prophète qui peut passer. Jusqu'à qui vous trouve, et là, ce din in vin so mazhab. Ce din in vin so mazhab. Nous din c'est Coran et Sunna. Nous din c'est Coran et Sunna. Hadith dans la vie. Parole prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parole Allah. Parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça est la précédence, le tout ban les autres paroles. Alors c'est ça. Il ne fallait pas qu'il nous quitte sa dessous là. Il ne fallait pas qu'il nous quitte ça dessous ça à aucun moment. Oui, nous lis l'explication de Ban Savant. Oui, nous lisons l'explication de Ban Savant. Mais l'essentiel reste l'essentiel. L'essentiel reste l'essentiel. Okay? Donc, ça pour tout, nous lisons. Par exemple, nous faisons hadith quand tu demandes avec Allah. Tout cet individu de ce man commenter, moi, je suis content. Je veux dire, comme si ça l'enseignement là, je ne veux pas plus suffit pour lui. Ça l'enseignement quand tu demandes avec Allah et à ce qu'on nous demande comment pour demander ça qui est intéressant quand tu demandes avec Allah comment pour demander demande comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient demander demande comment Allah il enseigne nous vient demander qui fait nous besoin ajouter dans façon de demander là aussi qu'est-ce dans le Coran combien de doua ina rabbana d'ailleurs dans un petit livret 40 rabbana combien rabbana ina là-dedans. Tout ça, ben, doua là, Rabbi, Rabbana, oh mon Rab, oh nous Rab, peut dimana avec Allah. Peut dimana avec Allah sans qu'il peut bien dire, oh saint un tel, oh wali un tel, dis Allah telles affaires pour moi. Hein? Dis Allah, t'as la montre, nous, Rabbana, t'es na fi dunya hasana, wa fi l'akhirati hasana, wa qina adhaban nar,
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا 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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب comme aussi invité à poser ta question concernant ma mot prêt avec lui ujibu da'awat ad-da'i idha da'an nous répondre l'appel de celui qui demande moi qui passe là qui pas passé pour comprendre comment vous demander avec Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande du'a hein comme il doit le prophète il fait avant il a dormi avant les rôles de toilette hein doit la difficulté doit tel qui tout ça doit que les prophètes nous enseignent à nous peut quitte façon demander pour elle prendre façon qui dit mon esprit nous pour demander avec Allah qui pas en accord avec ce qui nous reçoit sallallahu alayhi wa sallam bin enseigne nous nos frères nous pirates nous pirates target nous pirates target nous pas le perdit nous pas le perdit parce qu'il dit fallait pas nous quitter sa dîne sa surat al mustaqim là elle pousse ça comment nous quitter et bien ça elle la ligne droite hein vous parlez de la rigue avec moi là elle la ligne droite elle la ligne droite si me fait une petite déviation là ouais mais qui fait mathématiques à comprendre ça plus bien encore me fait une petite déviation là il paraît tu quittes là comme un plus divin qui quand c'est distance c'est fini hein qu'est-ce que me fait un ça vous la main vous prenez une plume qui est un peu plus droite hein ça une plume vous faites une petite déviation là une petite déviation qu'est-ce que là il paraît tu quittes une petite déviation depuis ça sur l'autre mustaqim vous quittez un petit bout là il paraît tu quittes lui mais allez qu'arriver et dans mon concipé divin quelle distance qui est là entre moi avec ça la ligne là avec ça la ligne droite là la cause à aucun moment fallait pas laisser l'innovation rentrer dans din parce qu'il commence tigit algit ban qui pas ne respecter ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné india n'a pas les qabar dépasse un coudé hadith la clé parole de ban sahab imam shafi'i même au rappel là il cause l'eau de sur l'époque bien près dans la première génération cause l'eau ban kubur d'ailleurs hadith il suffit on veut dire pas avance dans le kabar clair ça clair hadith sahih muslim n'a pas avance dans le kabar n'a pas élève kabar tout ça là les clés de hadith b acheter nous l'état nous fait lui ça va que cela il commence dire non mais ça une exception ça du monde une grande du monde ça ok allez rate ok mais quelle situation est arrivée aujourd'hui? Du monde peut tomber le kabar, du monde peut jiman avec kabar, du monde peut faire tawaf kabar. Mais si l'idée dès les départs, nous tu respectais l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ne pas t'ajouter non y, pas tu peux arriver à cette situation là. Donc mon frère, le message est clair. Besoin stick. La cause les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, adou alayha bin nawajiz. Je trouve hadith là après mode l'expression mode avec sa sunna là sunna du prophète sunna de man khulafa ar-rashidin prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous notre mesure suivre sunna et sunna de man calife bien guidé si on attrape ça et le prophète dit addu alayha bin nawajiz moudi veut dire n'a pas quitté comme a quitté là comme a logué fini mais azoudi et n'a dit mon dieu non qu'a pas fait ça c'est ma fini n'a pas excès. Mais quelque chose qui finalement excès, c'est le fait qu'il ne pas respecter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le départ. Donc, ce sahabi là, il pose la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous, qui nous fait là? Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait wafat. Qui nous fait? Nous, nous devons retourner vers ce sunnah. Nous devons puiser depuis hein, ce sunnah. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait wafat. Il y a une quitte nous de sa dunya là, les vivants de ce kabar, les dans le barzakh. Mais seulement, nous, ce l'enseignement encore là, ce l'enseignement encore vivant, ce sunnah est préservé. Ce sunnah est préservé. Donc, ce l'enseignement là, nous retourne vers ce sunnah, nous puise depuis sa sunnah là. Frère et soeur en islam, ça me conseille à tout bon frère, sans aucun fanatisme. Sans aucun fanatisme, nous fanatiques pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Nous fanatiques pour Allah subhanahu wa ta'ala ce livre. Nous fanatiques pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Nous pas fanatiques pour autre qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Insan, il reste insan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'sou, protégé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Apporte-lui. Dimon, kullu bani Adam, khatta, tous enfants Adam, fait errer. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, li, Allah guide li, c'est la lumière divine. Allah donne la lumière divine, il guide lui, donne la guidance. Nous suivons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce pas, ce trace.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أو بكنا إيمان n'a pas d'avance à l'aïs au Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand vous parlez de tafsir de sa verset là, vous trouvez circonstances de révélation de sa verset là. Dites combien l'enseignement est là. Rasoul alayhi wa sallam, dans sa présence, Abu Bakr avec Omar, qui est une délégation qui vient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une délégation vient jouer avec lui, Rasoul alayhi wa sallam, Rasoul alayhi wa sallam, comme une délégation, une tribu, une jeune avec qui la Madina, avant ben là, allez, tu as pris un amir. Il dit, toi, tu es amir. Allez, tu agis comme notre chef. Tu as une délégation, tu viens, Abu Bakr dit, ya Rasulallah, mets un tel comme amir. Omar dit, non, ya Rasulallah, mets un tel comme amir. Discussion levée entre Abu Bakr avec Omar. Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa verset là. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أو بين كنا إيمان لا pas d'avance à l'aise sur رسول فيديا أتان رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم لي لا laisse décision بينا pour suggérer non ni nous رسول لي vous décider pas besoin de discuter de sa présence mais nous رسول صلى الله عليه وسلم ce sunna là رسول صلى الله عليه وسلم ce sunna là qui nous retourne vers ce sunna qui nous retourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conseil du Coran, Allah peut trouver faire mention quand nous faisons diverger, faroudou ila Allah. Quand je diverge, retourne vers Allah et son Rasoul. Quand je diverge, retourne vers Allah et son Rasoul. Alors, l'islam, dans nous, là, tout le monde nous mes yeux, c'est le Coran et la sunna. Nous, mes yeux, c'est le Coran et la sunna. Alors, ce sahabi-là, il dit, ya Rasulallah, conseille-moi, donne-moi un conseil qui m'a besoin d'une personne n'importe toi après. Je veux dire, conseil de Rasulallah, alayhi wa sallam, c'est valeureux pour lui-là. Je ne veux pas dire une personne n'importe toi. Demande conseil, moi, demande une personne n'importe toi. Alors là, il les prophètes donner une petite phrase. Mais nous, sa sunna-là, il me préservait. Ce sahabi-là, comment on peut dire, ce qu'il nous finit de lire, et là, il n'a pas fait une rapport excepté ce hadith-là. Donc, il n'est pas fini de dire tout ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une parole de Rasul. Il n'est pas fini de dire tout cela, parce qu'il vient d'un certain état avec le prophète. Après le final, Béazoudi, nous, sa sunna l'a préservé. Il dit en nous, il n'est pas une compil. Mais comme est-ce qu'il nous pouvons besoin quitter sa sunna, de ce quantité de hadith, nous pouvons besoin quitter tout cela pour le promène, quitter ce qui. Pour le contredire, dit non, naturellement, nous avons besoin de plus l'importance encore à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un jeu des paroles. La conseil nous dit le prophète, il y a une qualité. Jawami'ul kalim, un petit mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qul amantu billahi thumma istaqim. Dire, mon phénomène iman dans Allah. Et ensuite, tu n'y tois ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa djimouna, avec Soufiane bin Abdillah al-Thaqafi, Qul di amantu billah. Mon âme est iman de Allah, thumma istaqim. Ensuite, tu n'y ferme l'eau la sunna. Sorry, tu n'y ferme l'eau le droit chemin. Istaqim, istiqama, tu n'y droit, tu n'y tois ferme, et dis le droit chemin. Donc, premièrement, prononcez, dis à mon âme est iman. Comme ben savant il définit l'iman, l'iman, قول باللسان واعتقاد بالجنان واعمال بالجوارح وبعمل بالجوارح. L'iman se prononce avec la langue et croit avec conviction dans le cœur et fait l'action pas membre les corps. Veut dire iman l'ilos et dans ses trois piliers de l'iman. Nous besoin prononce avec la langue. Dis-moi quand il m'embrasse l'islam, nous besoin faire notre et bien prononcer la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ça, bien prononcer avec la langue, dans lesquels bien la conviction. Ce qu'il y a dans lesquels, il traduit par la langue. Il traduit par la langue, et ben m'embléco, je fais amal, basant sur sa conviction là. Ça, c'est iman. Donc, iman, il reflète dans l'action. Iman, il reflète dans l'action. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, aman tu billah. Dis avec de la langue, ensuite, tu n'y toi fais. C'est qu'une cause d'ailleurs là, veut dire trappe sunna du prophète, il faut partir dans sa istiqama, dans la droiture, trappe Coran et sunna ferme, avec conviction.
Ça même mot guidance. Ça même mot guidance. Un exemple pour montrer où Kouma Djimoun, je ne connais pas, je ne comprends pas ça. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait qui Taroun, Taroun c'est plague, l'épidémie plague, maladie qui est contagieuse, c'est une punition depuis Allah. Et il y a un rahmat pour Ban Moukmin. Vous ne pouvez pas comprendre, il y a combien de Ban Djimoun il écrit l'article, il peut montrer que maladie là, il n'y a pas de punition. Hadith là, comme a commencé, il mentionnait Taroun, c'est une punition depuis Allah et c'est un rahmat pour les croyants. Et il a dit, il peut continuer à amener ce logique. Non, il y a des enfants innocents, c'est qui est malade avec ça. Il y a des innocents, c'est qui est malade avec ça. Et il y a des enfants qui ont bas l'âge, qui ne peuvent pas faire péché, il y a sa maladie là. Mais le prophète, ce parole, sallallahu alayhi wa sallam, il pas suffit. Qui fait nous besoin d'amener nos logiques. Même si nous ne nous servir nos actes, nos raisonnements, comme un bizarre, nous pouvons trouver qui ben, là, on est qui est difficile pour comprendre la langue qui sa maladie. Là, c'est une bénédiction depuis Allah. Parce que les prophètes disent qu'il y a un rahmat pour les croyants. Mais pour ses enfants, là, il n'y a pas une bénédiction pour lui. Mais là, si nous ne pouvons pas comprendre, encore, on peut discuter. Mais ça même que l'imam Malik, rahimahullah, il dit comme ça. Un dimanche pose les questions. Il dit, oh imam, moi, j'ai un sunna avec moi, moi, j'ai une preuve avec moi. Est-ce qu'il m'a besoin de discuter avec Djimoun pour faire Djimoun accepter lui? Il m'a dit, non, transmettre la sunna, simplement. Et j'ai pas besoin de discuter, transmettre la sunna. Alors, je veux dire que des fois, comment dire, un Djimoun, il y a un Coran, un sunna avec lui, un Djimoun peut venir contredire, malgré qu'il y a un Coran et un sunna, haditha, il est clair. Si nous trouvons, il est déjà clair. Mais qui nous explique du monde encore plus que ça? Si Hadith là, il est clair, il n'est pas peut trouver, mais nous ne pouvons pas faire comprendre nous. Avec nos arguments, nous ne pouvons pas faire comprendre. Parce que si le Coran est clair, Hadith est clair, mais malgré ça, il peut insister. Il peut amener d'autres explications, sans l'indire ça, sans l'indire. Le Coran est clair, Hadith là, est clair, il peut continuer à discuter, il peut continuer à amener une telle explication. Mais je ne peux pas trouver aucun, basant le conseil de l'imam Malik. Il dit non, transmettre la sunna et reste tranquille, pas besoin de discuter. Il n'y a pas trop aucune utilité pour laguer avec cette qualité du monde là pour faire lui comprendre. Non, bébé dit ça là. Non, il dit qu'on a là, le hadith là, c'est wa ma alayna illa al-balagh. Nous n'avons aucun devoir excepté transmettre la parole, transmettre Allah Ta'ala ce message, transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça à Djimoun là, dit Amen tu billah, tu mastaqim, et teignez-toi droit. Nous trouvons dans l'explication de ce hadith là. On nous finit un hadith expliqué par un autre hadith. La langue est tellement importante dans l'istiqama, un serviteur. Le prophète dit, on a un iman de Allah, ensuite teignez-toi ferme, teignez ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yastaqimu, un autre hadith qui explique ce hadith là. Dans Mousnad Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman du serviteur, pas pour une istiqama, droiture là-dedans. Iman du serviteur, pas pour une droiture là-dedans, jusqu'à qu'il se l'équipe avec une droite. C'est-à-dire que c'est un dimon véridique avec Allah, son iman pour une correcte. Mon véridique, oh Allah, vous pouvez demander toi la guidance. Oh Allah, vous pouvez tourner vers toi uniquement, vous pouvez demander avec toi, ya Rab. Oh Allah, Bandimoun fin diverger. Bandimoun fin diverger. Oh Allah, mode de confusion. Oh Allah, mode diman avec toi, tu seul qui le guide, tu es tout seul capable, guide-moi. Oh Allah, guide-moi. Mode véridique avec Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iman de l'insévité n'a pas pour une instiqama là-dedans, jusqu'à ce que celui qui est droite. Il est véridique avec Allah. Il est sincère avec Allah. Celui qui est attaché avec Allah, ce moment-là. Pareil comme nous expliquons hadith, quand j'ai demandé d'imman avec Allah, pas attaché avec Djimoun Mo, un Djimoun dit, nous attaché avec Wali Allah. Oui, nous les quatre attachés avec Wali Allah, nous comptons avec Wali Allah. Nous extrêmement comptons avec Wali Allah. C'est moi, nous croyons que personne n'est pas capable de faire du bien, etc. Allah ce moment-là. Nous comptons avec Wali Allah, oui, mais nous croyons avec sincérité, avec conviction, que personne n'est pas capable de faire du bien, personne n'est pas capable de faire du tout, personne n'est pas capable de protéger nous, excepté Allah ce moment-là. Créateur avec créature, des quelque chose de différent. Afamankana yakhluqu kama la yakhluq. Est-ce que c'est lui qui crée, il paraît que moi c'est lui qui pas créé?
La yastaoun, c'est pas égal. Est-ce que c'est lui qui crée, il paraît comme celui qui n'a pas créé? Non. Allah Ta'ala, tu sais, il dit bien la hawla wa la quwwata illa billah. Peine aucun la force, aucune puissance, zis avec Allah. Trop pourquoi être anina lola. Dis bien, prouve dans la main Allah. Protection contre le mal, zis Allah Ta'ala capable. Peine apporte, li peine, peine, peine. Pas exister. Zis Rabbul Alamin, qui hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah lui suffit pour nous, mais il est de mal protecteur. Nous prophétisons de ça. Ibrahim alayhi salam de ça. Clé de hadith. Jamais tu sais recours avec un autre apport Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'être Ibrahim alayhi salam de dire, il finit de hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah lui suffit pour moi. Allah lui meilleur de mal protecteur. Tout prophète il tourne zis vers Allah pour dire mal protection. Pas de mal avec du monde, mais jamais, pas fini d'exister ça. Les qui est content, ben, Aulia, même qui sont des Kabar. Les qui est les comptes ben de Kabar, ben Aulia, nous comptons eux, nous respectons eux, nous prenons eux comme modèle, mais nous payons aucun du bien à demander avec eux. Dis bien, dis man, dis avec Allah. Alors ça, il y a besoin clé, nous pas besoin de diverger l'eau là. Nous pas besoin de diverger l'eau, ça qui se là. Ça, c'est le fondement de dîner à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yastakim ou iman ou abdin hatta yastakim qalbu. L'équerre de l'iman d'un croyant n'a pas pour droite jusqu'à qu'il soit l'équerre vienne droite. Si, mettez ça dans nous l'équerre. C'est Allah qui est capable de faire nous dire bien. C'est tout dit bien, tout dans la main. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le mal, c'est Allah qui est capable de protéger nous contre ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wa la yastakim ou qalbuhu hatta yastakim lisanu. Sur l'équerre n'a pas pour droite jusqu'à qui sur la langue n'a pas vienne droite. Alors, l'équerre n'a pas pour vienne droite jusqu'à qui la langue vienne droite. Veut dire, fallait cause pour causer. Fallait causer ce qui n'est dans le Coran et Sunna. Fallait pas inventer l'audine Allah. Fallait pas inventer l'audine Allah. Si pas connu, reste tranquille. La langue là, bien, fallait pas qu'il nous cause, man, qu'il soit inutile. Fallait pas nous cause, ben, qu'il soit de désobéissance à Allah. Fallait pas qu'il nous cause, ben, futilité. Haram n'a pas causé même. À ce moment, quelque chose qui peine à bénéfice ni de l'union de l'akhirat, bien, évite-li, pas faire-li. Alors, ça, quand la langue là, koulou, kaoulen, sadida. Allah ta'ala dit, koulou, kaoulen, sadida, yuslih lakum, a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou ben, qui n'a iman, koulou, kaoulen, sadida. Pé Allah et dit, ben, parole qui droite. Yuslih lakum a'malakum. Allah li pou dresse aslaha yuslihu, réformer. Allah pou fè sa ban action la vin bon. Quand nous disons ben bon parole. Alors, cause bon cause. Cause avec connaissance. Quand pas connaît, retenir la langue. Ça pou donne nous istiqama. Ça pou donne, pardon, pou donne nous la droiture de nos iman. Pou donne nous istiqama. Ça me dit, Rasulallah alayhi wa sallam, j'avais ce sahabi là. Conseil qui me donne toi, dis Amen tu billah, mon croix de Allah, ton mastakim. Et ensuite, tiens-toi ferme. Donc, pour résumer les choses, dis mon amen iman de Allah. Veut dire, moi, bon, prends Allah comme mon Rab, toutes ces paroles vraies. Bon, prends Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme mon guide, toutes ces paroles vraies, et me suivre ces paroles aveuglement. Je suis parole Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam aveuglement. Je ne pas prendre l'intelligence, mettre les divins paroles Allah, divins paroles Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ni je prends parole X, Y, Z, je passe les paroles de Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La tuqaddimu bayna yaday Allah wa Rasuli. N'a pas d'évance Allah et son Rasul. Comme on adopte ce principe-là, c'est mastakim. C'est une tinifim. Attrape-toi ferme avec parole Allah et son Rasoul. Fais maximum. Comme nous apprenons dans le hadith précédent. On nous trouve là, tout ça dans le hadith là, les converger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme au don de Dieu, tu es fais les quantités qui sont capables. Et dans Amar tu combichain, comme au don de Dieu, tu es fais les quantités qui sont capables. Comme on interdit, tu es reste-le avec lui. Reste-le avec lui. Donc voilà, frère, son islam, un joli hadith qui très très petit. Qul amantu billah thumma istaqim. Dis mon amen iman dans Allah et tini ferme l'eau le droit chemin. Tini ferme l'eau le droit chemin. Et un de mes moyens qui nous gagne la fermeté, le droit chemin, c'est pas pressé pour causer.
pas pressé pour causer. Tini, nous la langue ferme. Retenir la langue là. Retenir la langue là. Hein? Si nous avons un doute, redonc. Dis-moi dans la guidance, Allah dans la bouquet de nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. Soit qu'il nous fait dire comme le bien divin depuis Allah, et soit qu'il nous fait faire errer, si arrivé nous fait errer divin depuis Shaitan, depuis moi-même. Nous demandons à Allah ta'ala istiqama, la droiture, et qu'il y fait nous attache nous-mêmes fermement avec le Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin.